Je suis donc Hélène Rondeau, je suis enseignante en cuisine au lycée Olivier Quichard. Ça fait donc 9 ans que je suis en poste ici. On essaye de les former à tous les types de cuisine puisqu'ils seront amenés à entrer dans le métier peut-être en gastronomie, en traditionnel, en brasserie, voire en collectivité, restauration rapide. Je suis Julien Stéphane, je suis enseignant en service et commercialisation. J'interviens au niveau du restaurant d'application avec les élèves sur la partie restauration et donc l'accueil des clients. Et ensuite au niveau du service sur toute la partie production, donc de cocktails, de réalisation de différents plats et réalisation des flambages en salle, éventuellement des découpages et sur toute la partie vente et le départ des clients avec la partie facturation et l'encaissement des clients. En spec cuisine, on apprend surtout les techniques de réalisation, donc comment mettre en place une recette, comment créer une recette. On travaille des produits, on travaille aussi avec des personnes outre lycée. On essaye un petit peu de les former d'abord aux bases classiques et ensuite de pouvoir leur montrer un petit peu tous les concepts. Alors moi j'aime cet établissement parce que c'est une petite structure entre guillemets. Donc nous sommes une équipe d'une dizaine en hôtellerie-restauration. J'aime le travail en équipe. Et puis j'aime aussi beaucoup l'environnement de ce lycée. Je suis venu principalement ici parce que la cuisine, très souvent, c'est un métier de passion, donc j'en fais partie. J'ai pris ce qui venait à moi et ce qui me semblait entre guillemets le mieux en termes de cadre. La première fois que j'ai visité ici, je me suis dit c'est un endroit qui me plaît. Un lycée très nature, en campagne, et donc qui permet de pouvoir montrer aux jeunes d'où viennent les produits et de pouvoir travailler ces produits-là. Ils vont bien sûr commencer souvent par le bas de l'échelle, donc commis de cuisine. Ensuite, ils pourront gravir les échelons s'ils sont en restauration traditionnelle et gastronomique. Ils pourront prétendre à chef de partie, voire second. Et puis aussi, on essaye de les préparer à la poursuite d'études pour pouvoir aller en BTS et prétendre à des postes de management. Moi, je compterais ouvrir mon restaurant plus tard. Et en attendant, pour l'instant, j'ai déjà eu des propositions de CDI, de choses comme ça en tant que cuisinier.